C'est un texte qui parle d'une femme qui va pas très bien au départ de la pièce, qui sait pas vraiment qui elle est, qui a du mal à trouver sa place, donc une problématique d'identité derrière tout ça. Et du coup, comme elle est pas très alignée, on est plusieurs sur le plateau à représenter la même femme, avec des personnes sous ses différentes facettes. Voilà. Voilà. On le fait pas. Non, on le fait pas. Peut-être qu'on est trop lâche. Peut-être qu'on a besoin de plus de temps. Non, peut-être qu'on regrette tout ce qu'on fait dans la vie. Mais non, ici on regrette rien. Ici on regrette rien? Mais peut-être que si, justement, on regrette des choses. Peut-être qu'on aimerait revenir en arrière. Peut-être qu'on aimerait tout recommencer. Oh non, arrêtez encore une fois. Encore une fois? Une dernière fois. Une dernière chance. Mais cette fois, ça sera parfait. Ok, on recommence. Nous naissons. Nous prenons notre première inspiration. Nous poussons notre premier cri. Bientôt nous sommes adultes. Pas moi. Nous sommes mariés. Pas moi. Nous nous sommes adaptés. Pas moi. Si, toi aussi. Nous avons des enfants. Nous avons acquis une philosophie de vie. On s'est perdu. N'importe quoi. Je suppose qu'on a terminé notre formation de grosse naze. Oui. Nous sommes devenus hygiénistes dentaires. Mais on se contente pas de ça. Non. Nous continuons à faire de la recherche. Nous passons notre doctorat. Nous nous spécialisons dans les avantages et les inconvénients du scellement des sillons. Ah, youpi! En avant pour une vie bridée, étriquée. Parfaitement normale. Nous sommes merveilleusement lobotomisées, aliénées. Heureuses. Mais parfois nous sommes frappées par le doute. Ah oui. Oui, c'est vrai. Parfois nous nous réveillons au petit matin et nous pensons à tout ce que nous avons raté. Parfois nous sommes même tentées par l'idée d'en finir au plus vite. Elle joue à se réinventer puisque sa réalité ne lui plaît pas, donc elle fuit la réalité. Par le jeu, à travers les fantasmes, à travers ce qu'elle rêverait d'être et qu'elle n'est pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Laura a choisi ce décor de chambre d'enfant, puisque on est dans la chambre de ses enfants, en fait, et on retrouve les jeux de ses enfants qui sont source d'inspiration pour le jeu. Bientôt, nous commençons une relation basée sur le respect mutuel. Et la haine s'en fond. Arthur nous donne de l'amour et de la chaleur. Et des surnoms tout pourris. Mamour, t'es rentrée. Il nous donne la sécurité que nous avions toujours recherchée. Et des répliques qu'on n'a jamais dites. Salut, pupus d'amour. Pourquoi tu m'as pas répondu quand je t'ai appelée? Salut, mon chéri, excuse-moi, je t'avais pas entendu. Un peu plus de sentiments. Essaye encore. Salut mon chéri, excuse-moi, je t'avais pas entendu. C'est pas grave bébé, on prépare le dîner ensemble. Oh non, c'est pas la peine, j'ai déjà tout préparé. qu'est-ce que c'était bon, merci beaucoup. Oh non, merci à toi. On quitte l'appartement. Ah ouais, on ose faire ça? Un combustible étrange nous anime. Le sentiment que la vie doit être vécue avant qu'il ne soit trop tard. Mais notre maison ne va pas nous manquer. Mais fuck la maison. Ce qui nous manque, c'est de partir. Lis un de nos poèmes. My soul is black. My hair is black. Black is back. Capitalism is work. My soul is black. My hair is black. Et c'est une des choses qui touche le public, du moins, c'est qu'on s'invente en fait sous leurs yeux, et je pense que ça donne l'espoir à tout le monde sur le fait qu'on peut s'inventer, en fait, on peut créer sa vie. Vous êtes combien? Finalement, on arrive à la frontière. Quelle frontière? La frontière norvégienne. Tu déconnes! Je te promets! Non, arrête! Arrête! Nous sommes partout. Oui.